Bonsoir, merci de nous rejoindre sur ce live entraînement. Bonsoir Sifu, j'ai eu un petit blanc. Hello, hello à toi derrière ton écran. Hello à toi Clément aussi, hein, même si on s'est parlé juste avant. Ouais, on va jouer le jeu. C'est direct donc. Comment vas-tu? Eh ben écoute, très bien, très bien. Très bien, c'est Je me beau. porte très bien. Et Ok, toi? bah écoute, ça va très bien aussi. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va faire du Wing Chun. Ouh! Non, alors ce soir, on va faire un petit peu comme la dernière fois, c'est-à-dire on reste dans l'école de base, parce que c'est très important, les réactions de base, c'est des choses très importantes à automatiser. Donc on reste dans les réactions de base, on va ajouter aussi les Yapgurk-Bomgurk. Donc si tu ne sais pas ce que c'est qu'un Yapgurk-Bomgurk, tu es au bon endroit. C'est beau. Ouais, donc d'ailleurs, on peut dire qu'il y aura une vidéo prochainement qui va sortir sur le Yapgurk. Yes. Spécialisé sur le Yapgurk. Bon, là, ça va être Yapgurk, Bomgurk, et puis pas en avant, ou coup de poing, ou des choses comme ça. Hein, d'accord? Donc, OK. voilà. Donc, et puis, je te montrerai un exercice à la fin pour travailler les Yapgurk, Bomgurk, coup de genou, un petit drill, comme ça, sympa avec les jambes. Assez simple, mais très utile à travailler. OK, bah on va Donc, bien ouais, s'amuser. alors, oui, c'est ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut vraiment profiter de cette période pour travailler ses bases. Le travail des bases n'est jamais perdu. Donc, c'est du temps que tu gagnes, en fait, sur la suite. OK. Eh bien, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints dans le chat. Et puis, je te propose de commencer, Sifu. Eh bien, on y va. Ça va faire Donc, venir les retardataires. C'est on parti. va commencer par, la forme. Ok. Je vous mets ici. J'espère que tout le monde me voit bien. Je te vois bien. Voilà. On me pose une question, Johan. On me dit, est-ce que c'est moi ou on voit un Buji Sao dans la Sunim Tao que tu viens de faire? Ben non, je pense pas, non. Bon, Non, non, il n'y a c'est. pas de budget. Soit c'est toi, soit. Dis-moi peut-être à quel moment tu penses que Voilà, quelle c'était. Comme section? ça, on va voir Quelle si. section? Si c'est ça. Tac. Tac, tout à ce moment-là, mais non, c'est pas. Ouais, ok. Tweet Sao, c'est Tweet Sao. Comme il y a un petit Ouais, je sais pas décalage, quel je te moment. laisse continuer, je te couperai en fonction de la Oui, réponse. ou à la fin de l'exercice, à la fin de cet Ouais, exercice-là. ok, ça marche. Ok, donc prochain exercice, on va revoir les réactions, les trois réactions de base. Ah, D'accord? Ou on les me quatre dit réactions de base. section 5, je dirais. Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de logis avant. Bon, tu verras avec lui quand tu le verras en cours, comme ça. Ouais, ou mets-moi un message
Mets-moi un message sous la vidéo, là, je regarderai, je la referai à la rigueur où je mettrai. D'ailleurs, ceux qui me suivent, vous pouvez aller sur mon Insta, sur l'Instagram, c'est plus facile. Je mets quelques petites vidéos sur Insta en story de temps en temps, donc sur des exercices que je fais travailler à des élèves en cours particulier. Donc, si vous jouez à le mot sur Insta, tu peux me rejoindre et pour interagir, c'est pas mal. Et en plus, je peux envoyer des vidéos. Je peux envoyer des petites vidéos. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'avait demandé pour un passage du mannequin de bois, je vais envoyer une petite vidéo. Bah, puis on peut t'envoyer des vidéos aussi, à l'inverse. Et on peut m'envoyer des vidéos aussi, donc c'est pas mal. Donc, Bien sûr. si tu me. Ok. Pour les questions, ouais. Bon, je te remets en plein écran. Ouais. Alors, on va revoir les réactions. Donc, on se met en man sao sao. Man sao, la main qui cherche. Wu sao, la main qui protège. Man sao, légèrement plié comme ça. Donc, je peux légèrement avancer pour aller chercher le coup de poing de l'adversaire ou le bras de l'adversaire pour rentrer en contact. D'accord? Donc, je vais me mettre comme ceci pour le Tan Sao. J'avance légèrement et je viens faire un Tan Sao comme ceci. J'avance légèrement Tan Sao. Tan Sao. Le Tan Sao, il vient à peu près au niveau du coude et sur la ligne centrale. Je suis bien sur la ligne centrale quand je fais mon Tan Sao. Tan Sao sur la ligne centrale, comme ceci. Voilà. Tan Sao, Tan Sao, Tan Sao. Et après, tu peux enchaîner et on va faire une petite série de Tan Sao. Je mets comme ça et on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Maintenant, on va passer au Pak Sao. Donc je fais comme ceci, je lève légèrement et je viens faire un Pak Sao comme ceci. Tac, tac. Et toujours mon coup de poing sur la ligne centrale. Je suis ici. Ok, on fait une petite série de 10. Allez, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc maintenant, on va faire Gan Sao. Gan Sao comme ceci sur la ligne centrale et je descends légèrement comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien ma main. Je vais m'écarter un peu comme ceci. Alors, il ne faut pas trop descendre, hein, sinon on a un trou à ce niveau-là. Donc, il faut juste descendre comme ceci, la main. Pareil, je reste sur la ligne centrale. Et là, on peut faire une petite série de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Donc maintenant, on va faire les trois. On va enchaîner les trois. Donc, Tan Sao coup de poing, Tan Sao coup de poing, Pak Sao, Gan Sao, Gan Sao, Tan Sao, Tan Sao, Pak Sao, Gan Sao, Gan Sao. On enchaîne et après on fera, une fois que tu l'as, on va faire une petite série de 10. 1, 2, 3. Alors non, 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 je recommence, c'est 1, 1 quand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Et si tu as réussi à tenir mon rythme, c'est pas mal. Ouais, c'est ce que j'allais dire, bien sûr, à votre rythme, vous qui nous regardez en Ouais, à votre replay. Vous rythme. faites pause, vous faites un, et puis vous Ouais, recommencez. l'important, là, je fais, voilà, mais bon, l'important, c'est la répétition, c'est de répéter ces mouvements pour que ça devienne fluide, que ça devienne automatique. C'est-à-dire que vous n'ayez plus besoin de réfléchir à oui, c'est quoi, pardon, que ça sorte de manière complètement automatique. Donc, le grand secret que tout le monde connaît, mais qu'il faut mettre en place, c'est la répétition. Comme tu disais un D'accord? peu au début, il faut profiter du confinement pour apprendre à faire ce genre de choses. Ouais, mets-toi une petite routine, dis-toi, bon, allez, je vais le faire comme jamais, et tu répètes jusqu'au moment où ça devient complètement automatique, rapide, vif, puissant. On me dit j'ai dû en faire que 5 séries, c'est déjà pas mal la moitié.
Ouais, mais bon, après, tu peux en refaire 5. Hein. Pendant qu'on parle, vas-y, je te relaisse la main. Bah non, mais c'était entre deux. Là. Je vais entamer l'autre exercice. Ok. L'autre exercice, c'est la même chose. C'est presque la même chose. Donc, Attends, je te pareil, mets. tu peux me Ouais. redonner la main. Hein. Vas-y. Les studios, on a une équipe hein, derrière. Alors, on va essayer la réflexion, C'est ça. quand même, que je dise. Alors, je ne vais pas dire qui, mais bon, il va se reconnaître. C'est pas moi qui réponds aux commentaires. Donc Ah je peux pas yes, effaire les oui. mouvements et répondre aux C'est commentaires. vrai, on précise pas, je réponds au nom du Sifu Joie de Mots. Excusez-moi, Ouais. pour ceux qui pensaient en discuter directement avec le Sifu Joie de Mots. Ben oui, Désolé, j'ai c'est pas moi. encore ce. Alors je travaille, mais je n'ai pas encore ce type de capacité de pouvoir à la fois faire des mouvements et répondre avec mes doigts de pied. Contrôler YouTube par C'est. la pensée, même, on va aller plus loin. Ouais, pas contrôler YouTube par la pensée, non, c'est pas encore. Mais j'y travaille. Peut-être à la fin de l'année, avec un ou deux autres confinements, je pense que j'arriverai. J'y crois, j'y crois. Bon, allez. Suite. Donc la suite, c'est que dès que je vais faire un Tan Sao, je vais faire trois coups de poing. Enfin, je vais faire un, deux, trois. Tan Sao. Tan Sao, 2, 3. Bon, pareil, pour les coups de poing, si tu me suis pour la première fois, j'ai déjà expliqué, hein, chaque poing passe l'un par-dessus l'autre et coupe au niveau du poignet à peu près, comme ceci. Et je ramène à chaque fois que je donne un coup de poing. Donc là, on est comme ceci, Man Sao, Sao. Je fais le Tan Sao, un coup de poing, 1, 2. Voilà, c'est ça. 1, 2. D'accord? Tac, 1, 2. Tac, 1, 2. Il y a Johan dans le chat qui a percé ton secret, tu utilises le chi pour répondre. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent, c'est bien. Avec le chien, on peut tout faire. Hein. Donc, on va faire une petite série de 10. C'est prêt. Donc, je commence comme ceci. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça c'est pareil, c'est un exercice que tu peux refaire autant de fois que tu veux pour bien le maîtriser. Ensuite, tu vas faire la même chose avec Pak Sao. Donc Pak Sao, c'est comme ceci. Donc je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc je fais un Pak Sao et je redonne deux coups de poing par-dessus. Pack ça au coup de poing et je redonne deux coups de poing. D'accord? Pack ça au coup de poing et je redonne deux coups de poing. Pack ça au coup de poing et je redonne deux coups de poing. Ok? Donc on va faire une petite série de 10. Détends les épaules. C'est important aussi d'être détendu quand tu fais ce type d'exercice pour que tes poings prennent de la vitesse. Et plus tes poings vont prendre de la vitesse, plus ils feront mal à l'adversaire. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Le troisième avec le Gansao, comme ceci. Je sais pas si peut-être que je m'écarte un petit peu. Tac. Comme ceci, si je suis en face, ça fait ça. Donc quand je vais faire ça, je rajoute deux coups de poing. Je fais ça, je rajoute deux coups de poing. Je fais ça, je rajoute deux coups de poing. OK? Allez, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. OK, voilà pour cet exercice. Donc voilà, ça c'est l'exercice d'école de base Oh, je classique, pense qu'il y quoi. a pas de à mise à part la rapidité, je pense que vous avez pas dû rencontrer trop de difficultés. Ah, c'est pas si facile à faire en fait. Hein. Vous êtes plutôt des Ça, habitués ici. Enfin, je pense que c'est des gens qui font déjà un peu de Wing Chun. ben, Est-ce qu'il y a des débutants ouais. débutants? Est-ce qu'il y a des gens qui vraiment ont pris, je sais pas, 2 mois de cours de Wing Chun avant d'arriver sur nos lives? Dites-le de moi. Ou même qu'on n'a jamais fait en vrai avant. Non, mais c'est pas. Alors, c'est vrai que c'est des mouvements qui paraissent simples, mais Oui. en fait, qui sont pas simples du tout. C'est vraiment millimétré et. C'est pour ça, c'est la fausse. Alors, c'est pour ça qu'il y a une fausse impression souvent de les maîtriser.
Mais si on n'a pas un prof, un sifu, quelqu'un qui est capable, qui les connaît très bien et qui est capable de dire, ah non, c'est pas ça, c'est comme ça, c'est comme ça, il y a beaucoup de subtilité en fait dans des mouvements qui semblent simples. Ça, c'est la différence entre des styles de kung fu, par exemple, du nord de la Chine, où c'est très aérien, des coups de pied, qui sont assez complexes à réaliser, mais très visuels. On se dit, ah oui, celui qui est fait, c'est pas évident. Et ça demande des qualités athlétiques. Hein. Alors que ça, c'est pas du tout visuel. On a l'impression que c'est facile, mais en fait, c'est pas facile du tout. C'est pas si facile. D'accord? Et c'est même très facile de le faire d'une manière qui n'est pas correcte. Hein, c'est pour ça qu'il faut être corrigé. Et sur des mouvements qui semblent simples, en fait, pas du tout. C'est pas simple du tout. D'ailleurs, toi, tu peux en parler. Toi, Je je sais que tu peux verrai le faire bientôt. faire. Non, mais je verrai bientôt. Oui, bon, bah, déjà, du peu que j'ai fait, c'est déjà difficile. On en parlait juste avant le live. J'ai pas une bonne dextérité avec mes mains et j'ai du mal à synchroniser les mouvements. Alors peut-être que le Wing Chun est fait pour moi, justement, ça va m'aider là-dessus. Bah oui, non, mais tout le monde, en fait, de toute façon, on est là où on est. C'est beau. C'est bon. Ah oui, Jean-Claude Van C'est Damme. philosophique ce soir. Non, mais je veux dire, c'est juste un fait, quoi, tu vois. Si t'es, je peux encore, je pense que tu n'as pas une mauvaise dextérité. Hein. Il y a des gens qui ont une beaucoup plus mauvaise dextérité, mais de toute façon, on est comme ça. Je veux dire, Ouais, mais bien par contre, sûr. ça peut s'améliorer. Et si tu t'entraînes, tu peux devenir très bon. La dextérité, si on s'entraîne, on va s'améliorer et on peut même devenir très bon. Ouais. Tu vois, le Wing Chun, effectivement, au début, tu peux avoir la. Moi, c'est pour ça, souvent, alors j'ai eu quelques élèves, ça c'est une histoire que je raconte souvent, qui sont très doués, mais ce n'est pas forcément ceux qui sont restés et qui sont devenus très bons. Il y a des élèves qui arrivent, bah, ils arrivent à faire pratiquement tout du premier coup. Ouais, Bon, c'est faut les dingue. corriger parce qu'évidemment, Oui. si tu ne les corriges pas, voilà, c'est ce qui est normal parce qu'entre ce qu'on voit et ce qu'on refait, mais. Ils ont une très bonne dextérité, ils arrivent à répéter les mouvements et ça va assez vite. Par contre, ce n'est pas forcément ceux qui restent. Ouais, c'est étonnant. Ouais. Ah, la progression est Comme ça. moins. On me dit ça fait penser au premier film Ip Man où il y a ceux qui viennent du Nord avec leur style très spectaculaire, effectivement. Ouais, c'est ça. Et on a l'impression que c'est plus difficile parce que c'est spectaculaire, mais en fait, ce n'est pas plus difficile. Alors, ça va demander un entraînement avec des qualités athlétiques, souplesse, etc. Par contre, dans l'exécution, c'est des mouvements qui sont relativement plus simples que des mouvements de Wing Chun qui semblent simples, mais en fait, où c'est vraiment au millimètre, Ouais, il t'as faut des vraiment spé. mettre le coude d'une certaine manière. Voilà, quand je fais le Tan Sao, mon coude est sur la ligne centrale, mais déjà rien que faire ça, hein, mettre un coude sur la Ouais, ligne bien sûr. centrale, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Ce mouvement-là, dans la forme où on fait ça, en gardant l'épaule, parce qu'il y en a qui le font, mais ils ont l'épaule comme ça. Ah oui, mais non, mais c'est pas ça. Enfin, l'épaule enfin, reste vers l'arrière, et je mets mon bras sur le centre, mon coude sur le centre. Et ben ça semble simple, mais en fait, c'est très difficile. Beaucoup de gens n'y arrivent pas comme ça. Et puis même, ils ont l'impression de le faire, mais ils font un truc comme ça. Pareil, j'ai vu certaines personnes qui font des formes, bon, leurs formes sont bien, hein, c'est pas le problème, mais on voit les épaules qui bougent. Vraiment, les épaules ne bougent pas. Justement, la Siming Tao, c'est fait pour travailler la ligne centrale et ne pas bouger les épaules, avoir les deux bras disponibles, tu vois, et ne Je pas comprends. donner l'épaule pour ne pas se retrouver dans le dos, avec l'adversaire qui arrive à nous tirer puis à se mettre dans notre dos, tu vois. C'est un travail qui semble simple, mais qui n'est pas si simple que Qui est plus ça et subtil que ce qu'il n'y paraît. qui est très subtil. Ça marche. Ok. Vas-y, Donc, pour la suite. maintenant. La suite, comme j'avais dit la dernière fois, c'est qu'on va voir le yap jerk. Le yap jerk, coup de pied, comme ceci. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Si on le voit bien, tel que je suis là, peut-être qu'il vaut mieux de l'expliquer. Ouais, plus comme ça, je pense, ouais. Voilà. Quand je suis ici, c'est un coup de pied avec les orteils vers l'extérieur. Là, si c'est mon pied gauche, orteil vers En l'extérieur. fait, le mieux, c'est que s'il y Comme en a ceci. qui savent pas ce que c'est qu'un Yapgurk, n'hésitez pas à le dire dans le chat, comme ça on le remonte plus en détail, peut-être de plus près, parce que là, t'es loin, du coup, on voit pas très bien comment se positionne ta semelle. Ouais, si je suis comme ça, on voit mieux. Quand je suis comme ça. Faudrait que tu sois un peu de profil, je pense, un peu tourné vers la caméra. Tac. Un peu tourné vers la Ouais, caméra quand je suis comme ceci. un peu moins, parce que là, tu vas être de face, on va pas bien voir. Ouais, voilà, plus comme ça, ouais. Voilà. Comme ceci, Ouais, c'est ok. bon. En fait, c'est le coup de pied qui part comme ceci. Yes. Je suis là, boum. Comme si, alors il y a plusieurs choses, mais il y a une vidéo explicative qui va être beaucoup plus précise, mais ça peut être pour stopper un coup de pied, par exemple. Ou pour frapper au niveau du genou. Boum!
comme ceci. D'accord? Donc là, et tu reviens comme ceci, dans un premier temps. On va le faire en avançant maintenant. Je fais le coup de pied et j'avance avec le pas. Alors par contre, ce n'est pas le pied, ce n'est pas mon corps qui suit le pied. Je donne le coup de pied et ensuite j'avance. D'accord? Je suis là. Je donne le yap jerk, boum, et j'avance. Ok? Tu poses le pied Maintenant. avant d'avancer, je suis pas. Ah oui, non, t'avances Non, non, avec je ne pose pas le ton. Ouais, pied. je comprends. Je donne le yap jerk et je reviens poser le pied, j'avance. Ça marche. Maintenant, on va faire la même chose avec trois coups de poing. Je suis là, tac, et j'avance. Un, deux, trois. Ceci. Allez, maintenant que tout le monde a vu la technique, on le fait une dizaine de fois. Ah, je remets mes collants. Allez, un, je reviens. Deux, je reviens. Trois, je reviens. Quatre, je reviens. Cinq, je reviens. Six, je reviens. Sept, je reviens. Huit, je reviens. 9. Je reviens. 10. Voilà. On se détend un peu. Bon, pendant qu'on se détend, j'ai une question autre qui me dit, j'aimerais bien voir une femme faire du Wing Chun, ça doit vraiment être impressionnant. Je vais t'envoyer le lien de la vidéo que je link tout le temps quand on parle de femmes. L'ex-femme de Martine. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, très bien. Cette vidéo est Ouais. impressionnante. Je dis pas que toutes les femmes sont impressionnantes comme celle-ci, mais en tout cas celle-ci est vraiment bien Bah, faite. il y en a une autre aussi. La femme du Sifu Wagner qu'on voit sur les vidéos aussi, une asiatique aussi qui est pas mal. Mais je pense que celle de Marcine, elle en vaut encore plus, quoi. Ouais. Donc on va faire la même chose. Avec le pied droit, boum. Voilà, comme ceci. Vais mettre le pied en avant. Et voilà. Donc là, pareil, orteil vers le côté droit. Et j'avance en donnant des coups de poing. Allez, on en fait 10. 1. Je reviens. 2. Je reviens. 3. Et je garde mes pieds vers l'avant, ça va être mon pied avant avec lequel je donne. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Voilà. Moi, c'est pareil, c'est l'exercice que tu peux faire régulièrement. Je remets un peu mes jambes parce qu'en fait, j'ai mon pantalon qui remonte quand je donne des coups de pied. Bon, bref, on coupera ça au montage. Ah, dommage, c'est un live. Ah, Ah mince, mince. dommage. Quoi, le Sifu, il a le pantalon qui remonte. C'est quoi ce matériel de merde? Mais non, c'est comme. C'est comme l'histoire où je mets des talonnettes. Ah oui. Non, pour te raconter, à toi qui écoutes, il y a une vidéo dans laquelle, bah, c'est quelle vidéo? C'est la Des vidéo déplacements, avec non? le coup de poing, je crois, Non. la vidéo sur les coups de poing qu'on a fait tous. Ouais, il y a un mec qui me dit, est-ce qu'on peut faire du Wing Chun avec des talonnettes? Tu mets des talonnettes, est-ce qu'on peut faire du Wing Chun avec des talonnettes? Alors, maintenant, je mets pas de talonnettes, c'est juste Désolé. des Nike. Le Et secret est révélé. Clément qui dirait ce genre de truc avec grand plaisir, mais c'est vrai que je mets pas de talonnettes. Alors après, est-ce que la question, dans l'absolu, peut être bonne? Est-ce qu'on peut faire du Wing Chun avec des talonnettes? Ça peut faire l'objet d'une vidéo, ça. Bah, on peut faire du Wing Chun avec des talons. Oui, T'es une oui. femme ou un homme, il y a des hommes qui mettent des talons, donc bon. Bah, rien ne t'empêche de faire du Wing Chun avec des talons. Yes.
Si tu dois te défendre, si tu dois utiliser ton windshield, pas de raison, c'est pas parce que tu as des talons que tu peux rien faire. Au contraire, tu peux les utiliser. Mais tu peux même prendre ton talon et t'en servir pour l'enfoncer dans la tête du Ah, mec. le talon est une bonne arme de self-défense, en Bah règle générale. ouais. En général, ouais. Ou alors, marcher avec ton talon, si c'est un mec qui t'attrape par derrière, marcher avec ton talon sur ses pieds, etc. Bon, bref. Ok, bon, je suis en train de partir On me en dit digression. il faut prendre des Rangers, oui, il faut prendre les Rangers ou alors les chaussures avec les pointes là. Je me rappelle jamais comment ça s'appelle là. Les coquilles, bah t'as celles qui sont coquilles aussi. Ouais. T'as les chaussures coquilles, hein. Voilà, bon. Les chaussures, une bonne arme de self-défense. On va faire une vidéo sur toutes les chaussures que vous pouvez utiliser pour vous défendre. Ouais. Bon, Vas-y, allez, la bon suite, gurk en c'est attendant. parti. En attendant, bon gurk, donc bon gurk, alors est-ce que je me mets de ce côté-là? Bon gurk, c'est le pied, en fait, qui va se mettre dans les orteils, les orteils vont aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que si c'est ton pied gauche, les orteils vont aller vers la gauche, comme ceci. Alors c'est pareil, ça peut être un coup de pied pour stopper, ça peut être un coup de pied aussi pour plier un genou. Bon, voilà, un peu comme l'autre, hein, mais bon, dans différents angles. Donc, tac, et j'avance, trois coups de poing. Ok, 1. Allez, on commence. 1. 2. 3. Je reviens. 4. Je reviens. 5. Je reviens. 6. Donc c'est pas un coup de pied qui est démonstratif, hein. 7. Est-ce qu'on voit bien mes jambes? 8, Oui, c'est bon. 9, 10, voilà, avec l'autre pied, l'autre jambe. Donc c'est pareil, je viens comme ceci. D'accord? Donc 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on se contrôle. J'avais pas bien Quoi? compris la question, Edouard. Je suis désolé, je me rappelle jamais de ton prénom. C'est Alexandre, il me semble, c'est ça. Qui me dit un direct avec des applications sur partenaires, ça pourrait être extra. Est-ce que tu crois qu'on pourrait organiser ça? À mon avis, Ah ouais. ça serait pas un soir. C'est ça la problématique. Si après, c'est vrai que je peux demander à un élève qui reste ici pour faire une application avec partenaire, ouais. Qu'on fasse ça en direct. Mais est-ce que toi, tu as un partenaire de ton Est-ce côté que pour. vous auriez tous un partenaire? Parce que dans ce cas-là, autant qu'on fasse des vidéos, en Tu prends fait. Ça ta petite aura plus sœur. d'intérêt, quoi, pour qu'on fasse des vidéos. Sinon, on Hein, me dit ta petite bonjour. sœur. Ouais, ou. on me dit Oui. bonjour d'Amérique. Comment pratiquez-vous la forme de l'homme de bois dans l'air ou sans l'homme en bois? Désolé pour mon Ah horrible bah si, tu peux français. le faire, hein. Tu peux le C'est faire. Hein. le mannequin de bois, je suppose, que tu voulais Tu dire, peux Brad? faire le mannequin de bois. Ouais. Ouais, tu peux le faire, bien sûr. Je confirme pour les chaussures, ma mère m'a déjà ouvert le crâne avec des talons. Je ne veux pas savoir pour quelle Raconter raison tu en es arrivé l'histoire. là. Mais c'est pas mal, ok. Ok, bon bah écoute, ça c'était le... comment tu dis? Bongurk? Bongurk. Bongurk? Ok, Ouais. ça marche. Yabgurk, Bongurk. C'était un accident, ça me rassure. Oui, bon, écoute, après, chacun son truc, hein. Vous étiez en train de C'est faire vrai que des des fois, les applications enfants. au sol et bim! Ah oui. Ah oui, bah oui, pourquoi pas, écoute. Hein. Voilà, un talon, un crâne avec un talon. Ok, ça marche. Est-ce qu'on a une suite? Ouais, on a le Ah dernier oui, mais oui, exercice. mais il y a le drill à la fin. Tu nous as promis un drill. Alors, c'est pas un. C'est. C'est un On va baby faire drill. C'est Comment? un baby drill? Ouais, c'est ça, avec les jambes. Bon, pareil, c'est des exercices, on va dire, plutôt débutants, hein, accessibles à tout le monde, mais par contre, qui ont beaucoup de bénéfices.
bénéfice. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il y a, alors ça c'est vrai que quand plus on a avancé, plus on a l'impression qu'on peut, qu'on doit faire que des choses compliquées et tout. Moi je pense pas. Je pense qu'au contraire, plus on a avancé, plus on doit revenir à des choses simples. Et répéter les bases, c'est toujours gagnant, quoi. On aura plus de fluidité, de meilleurs appuis, etc. Voilà, c'est une très bonne chose. Là, ce drill-là, c'est un drill avec les jambes, mais qui est très simple. Voilà, avec les deux coups de pied qu'on a vus, donc Bomber, Yabger, et on va mettre un coup de genou. Ok. Et en statique, donc très simple. C'est parti. Donc, ouais, est-ce que tu me vois ? Je te vois. Tu me vois ? Je te vois. Donc, oui. On commence par Baumgurk. Non, Yabgurk. Gomgurk. Coup de genou. Je le fais lentement. Tu vois ? Tac, tac, tac. Ok ? Donc, tac, tac, tac. 1, 2, 3. Cet exercice de dextérité avec les jambes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, je vais faire lentement, 2, 3. Yabgurk, Baumgurk, coup de genou. Très lentement. Pas forcément plus facile de le faire lentement. Hein. Donc, Yabgurk, Baumgurk, coup de genou. Encore, Yabgurk, Baumgurk, coup de genou. Non, là c'est bon. Yabgurk, Baumgurk, coup de genou. Peut-être à peu près. Je vais mettre un peu en face. Ouais. Tac, comme ça. Donc, Yabgurk, Baumgurk, coup de genou. Yabgurk, Baumgurk, coup de genou. Je sais pas ce qui est le mieux, si je suis quand je suis en face ou quand je suis de côté. Bon, tu peux alterner les deux, je pense. C'est pas mal, ouais. Tu peux le faire aussi avec le mannequin. Bah, c'est dommage, j'ai fait un jet de ce côté-là, mais avec le mannequin de gauche, si tu peux le faire, je sais pas si je peux déplacer un peu mon truc pour que les gens voient. Tac. Est-ce qu'on voit? Là, c'est un peu. Oui, c'est pas. Ouais, oui, si, c'est bien. Voilà. Ça dépend à quel niveau tu vas donner ton coup de pied. Mais je si pense voir. Oui. Ici. Oui, c'est bon, c'est bon. Ici, coup de genou. Tu vois. Poum, poum, poum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Tu peux faire aussi avec le mannequin de bois de cette manière-là. Voilà. Hop, je vais remettre. Hop, mais voilà. Ouais, autant moi je remets la caméra. On me demande si les coups de pied du Wing Chun sont uniquement en dessous de la ceinture. Si je me souviens bien, oui. Bah oui, les coups de pied. Alors, ça dépend, tu peux aussi faire, il y a certains coups de pied que tu vas faire au-dessus. Faudrait que je montre. Je crois qu'on a fait une vidéo là-dessus. Quand tu attrapes, par exemple, dans ouais, certaines. Alors c'est pas. Wing Chun pur, peut-être que certains vont dire c'est pas Wing Chun pur ou quoi, alors je sais pas si tu me vois là, si je suis... Ça dépend ce que tu vas faire encore une fois. Mais quand tu fais le Sao, tu prends les deux bras, tu peux aussi, boum, donner un coup de pied au niveau de la tête, et même envoyer quelqu'un au sol avec ton coup de pied au niveau de la tête, en tenant les deux bras de l'adversaire. Donc s'il y a certains coups de pied que tu peux faire un peu plus haut, c'est pas quelque chose... Ça dépend des variantes en fait. Wing Chun. Ouais. Oui, tu peux dans certains cas, mais... De toute façon, les coups de pied hauts, on va dire, c'est jamais. Alors, si on prend dans un contexte rue, c'est pas les coups de pied qu'il faut privilégier.
OK. Les coups de pied bas sont beaucoup plus stables, plus c'est moins d'inertie. Tu vises par exemple la cuisse avec ton tibia, c'est très bien, il n'y aura pas besoin de plus, hein. Et en plus, on le contrôle beaucoup plus facilement. Donc, les coups de pied du Wing Chun sont adaptés à un combat à courte distance. C'est plus dans la Et stratégie, quoi. c'est plus dans la stratégie. Et comme on le verra dans la vidéo sur le Yapgurk, tu peux l'utiliser souvent pour plier le genou et faire tomber l'adversaire, ou lui faire perdre sa structure. Yes. C'est souvent utilisé pour ça. Et c'est même plus utilisé pour faire perdre la structure que véritablement pour frapper. Donc c'est plus pour perdre la structure ou, par exemple, comme on le verra, sur un coup de pied, soit stopper le coup de pied, c'était suffisamment rapide, mais bon, il faut quand même le voir arriver, il faut sacrément anticiper, soit taper dans le genou au moment où l'adversaire donne le coup de pied. Bah, c'est pareil, il faut anticiper, mais pardon, mais c'est possible. Alors, Mais bonjour. le plus sûr, c'est pourquoi on l'utilise le plus souvent, c'est pour taper au niveau des genoux, plier les genoux. Ça peut être plier un genou, partir, plier un genou, amener l'autre au sol, ou plier un genou pour déstabiliser l'adversaire. Alors, y a Brad qui nous suit depuis l'Amérique et qui traduit en même temps et il arrive bien à suivre, donc bravo. Écoute, Brad, tu parleras de moi au studio, à Hollywood. Mec essaye de se placer. Ok. Bon bah écoutez. Je viens remplacer la doublure de Bruce Lee dans Once Upon a Time. In Hollywood. Hollywood. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Il y aura un live mardi prochain, une vidéo Ouais. dimanche et il y Et aura sur quoi la vidéo dimanche? surprise. Non, c'est la vidéo de dimanche, c'est sur devenir un combattant. On va parler d'un peu Ah oui. le processus pour quelqu'un qui intègre un cours, en tout cas Wing Chun Defense System. Comment est-ce qu'il arrive À faire des combats. au sparring, à faire du Oui, parce que combat, tout ça quoi. c'est vrai que c'est ce qu'il faut dire, c'est que généralement, les gens, alors il y a plusieurs types d'individus, mais les gens qui viennent à nos cours ne sont pas forcément des combattants, quoi, à la base. Donc c'est des gens qu'on doit amener au combat, il y a tout un processus pour les amener au combat doucement, de manière sereine, et aussi pour pas qu'ils se blessent, et pour pas qu'ils soient trop tendus, ou pour même qu'ils aient moins d'appréhension. Donc c'est ce qu'on va montrer dans la vidéo qui va sortir. C'est ça. Le cheminement, le processus. Je garde l'idée du live avec partenaire. On va voir un petit peu dans Ouais. quel. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est possible à faire? Est-ce qu'on n'en fait pas juste une Bah. vidéo en fait de Ouais, quelques si on a un applications enfin partenaire, avec le autant. De partenaire toute quoi. façon, je ne sais pas qui posait la question, mais si tu veux voir des applications avec partenaire, regarde dans la chaîne, il y a application Simintao, application Yes. Chumq, application Budgie, application Mankan Boa. Ouais, mais pour quelqu'un qui Il y les a aurait déjà aussi. toutes faites, effectivement, ça. Ah bah, ouais, Alors. mais attends. Si je le Non, mais répète, répète. ce que je me dis, c'est que ça pourrait faire effectivement une bonne idée de vidéo de faire une vidéo sur des applications à faire quand tu as un partenaire. Avoir un vrai cheminement d'entraînement avec un partenaire que tu peux faire chez toi en Ouais. période de Oui, confinement, quoi. c'est vrai. Oui. Une petite vidéo, pas, c'est pas obligé d'être Oui, 30 avec des minutes applications d'entraînement, quoi. simples. Voilà, Voilà, avec des exactement. applications Quelques simples, tout à applications fait. simples à Bah, c'est un reproduire chez peu toi. comme. Il y a aussi les entrées qu'on a fait. Les entrées, rappelle-toi, qu'on avait Ouais, fait tous mais les deux là. pourquoi pas faire une nouvelle vidéo qui mixe un peu différentes choses et qui soit un vrai entraînement à faire chez soi, simple, un partenaire. Ouais, tout à fait. Bon, Oui, je bref, prends je l'idée. dis pas qu'on va la faire là, mais je garde l'idée, ça peut être une vidéo intéressante et comme d'habitude, il faut juste s'organiser, Tout à fait. quoi. Et si toi qui nous écoutes, tu as des idées de vidéos qui ne sont pas encore sur la chaîne, donc regarde quand même, dis-le nous, hein, on est toujours Ouais, partant carrément. pour faire de nouvelles vidéos. Ouais. On prend les idées, on prend. On prend toutes les idées. C'est ça. Ok. D'autres. N'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Ce soir, il y avait un peu plus de monde que d'habitude. Là, vous êtes de retour par rapport à la semaine dernière. Nous, on continue les lives pour l'instant ad vitam aeternam. Hein. On ne sait pas trop quand est-ce que ça va s'arrêter, mais. Ouais, on sait pas trop. Alors là, pour les lives, ce que je vais faire, c'est surtout des techniques de base, école de base, voilà, des choses comme ça. Et parce que je pense déjà que c'est une bonne chose. Je pense que montrer plus, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt en live comme ça, sans partenaire et sans quelqu'un pour vous corriger. Donc là, l'objectif, c'est qu'on travaille bien les réactions, les coups de pied de base, les déplacements, pour que lorsque les salles ré réouvriront, on soit au taquet et les bases soient là. Voilà.
Bien sûr, ouais, non, puis c'est bien de délaisser un peu la muscu. Enfin, je trouve que là, ce type d'entraînement est bien. Effectivement, ça va faire une bonne transition avec les cours quand ça va reprendre, quoi. Parce que c'est toujours le problème. Il y avait eu un peu cet effet-là à la fin du premier confinement. Il y a toujours plus ou moins une baisse de niveau, forcément, quand on pratique pas pendant un certain temps, quoi. Ah ben c'est sûr, ouais, c'est sûr. Bah, de Donc. toute façon, oui, hein, mais bon, ça se re... Alors quand tu avais un niveau, ça revient très vite. C'est un peu comme la muscu, hein. Moi là, avec mon poignet, je peux plus rien, pas plus trop faire des muscu, mais je sais pertinemment que quand on reprend, ça revient très vite, donc faut pas s'inquiéter. Pas s'inquiéter pour ça. Et bon, bah voilà, par contre, les bases, ben ça, c'est difficile à acquérir. Par contre, une fois que tu les as, ça bouge pas trop. Mais il faut les répéter quand même. Ça marche. Ok, bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. On a un peu dévié dans différents sujets. J'espère que ça vous a pas trop perturbé dans votre entraînement du mardi soir. On se retrouve dimanche soir 17h pour une nouvelle vidéo et mardi soir prochain en live avec le Sifu Johannemont. Voilà. Exactement. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée.